Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Nicole Cormier des Bouquineuses et on parle des livres « Là où je me terre » de Caroline Dawson et de la biographie « Tout est quartier » de Marcel Sabourin. Madame Cormier, ça Bonjour. Va bien? Oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Madame Cormier, vous êtes une bouquineuse de longue date, si je ne me trompe pas. Oui. Bon. Je ne dirais pas depuis les tout débuts, mais assez loin, depuis 88. OK, donc vous connaissez bien les bouquineuses. Oui. Je pense que vous avez occupé différents postes. Oui, oui. J'ai été sur le CA plusieurs années. J'ai été présidente quelques autres années. OK. Et là, ben, j'ai cédé ma place à d'autres. Personne. Donc, vous avez dû lire beaucoup de livres dans le cadre des rencontres des bouquineuses. Oui, surtout quand on a des invités. Oui. On essaie de connaître l'auteur par son livre ou ses livres. Là. Ça fait que souvent, on le sait quelques mois d'avance. Ça fait qu'on a le temps de lire quelques-uns des ouvrages. Ben oui. Oui. Puis là, aujourd'hui, on ne parle pas d'auteurs ou d'autrices que vous avez déjà reçus. Non. On parle de livres assez récents, oui. Parus tous les deux en 2021. Oui. Et on va commencer par le roman de Caroline Dawson. Oui, bien, c'est, oui, ça, c'est une découverte, là, parce que même que je ne connaissais pas l'auteur, je n'avais pas entendu parler de rien. C'est une amie qui me dit « Tu vas aimer ça ». OK. Ça fait qu'effectivement, j'ai aimé ça. Elle a ça. Eu raison. Et puis, depuis que je l'ai lu, bien, j'entends beaucoup parler de ce livre-là. Soit à la radio ou à la télévision. Oui. C'est une jeune auteure. Et puis, ben, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai retenu. Née au Chili en 1979, Caroline Dawson arrive à Montréal à l'âge de 7 ans. Sociologue, professeure et blogueuse engagée, elle est co-organisatrice du Festival de littérature jeunesse de Montréal. Okay. « Là où je me terre » est son premier livre. L'auteur nous raconte son arrivée au Québec en 86, en plein hiver. Allô, je m'appelle Caroline Dawson, je suis professeure de sociologie au Cégep Édouard-Montpetit et je suis aussi l'autrice du roman « Là où je me terre » paru en novembre 2020 aux éditions du Remue-Ménage. Je ne suis pas née ici, mais au Chili. À 7 ans, mes parents ont décidé d'immigrer au Québec. Nous sommes arrivés comme des réfugiés politiques le 25 décembre 1986, en pleine tempête de verglas. Le livre « Là où je me terre » parle de Caroline, la petite réfugiée, et la suit durant son intégration. Il raconte les façons qu'elle va trouver, malgré les difficultés et les petites violences, de garder des parts d'elle-même vivantes pour ne pas effacer qui elle est, ne pas trahir les siens en devenant québécoise. Son apprentissage nous est révélé dans de courts chapitres, 40 chapitres très courts. OK, dans un livre d'une 100-200 pages oui, à peu près. En titre, écoute, 200 à peu près. Au titre, tous plus évocateurs les uns que les autres. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusée de voir les titres qu'elle avait choisis. Pour chacun des chapitres. Oui, donc je vous en cite quelques-uns. Il y a passe-partout. La liberté n'est pas une marque de yogourt. La surprise dans la boîte de céréales. Ma petite Julie. Le bonhomme carnaval. La vallée des avalés. Madame Brossard de Brossard. Manger ses bas, et ainsi de suite. Okay. Ça fait que ça prouve à quel point l'auteur est intégré. Oui, on voit beaucoup de culture oui. québécoise oui, dans oui. ces Il y a de... ses années scolaires, évidemment, puis... l'apprentissage, enfin, de la neige puis du Québec en général, là, tu sais. C'est un tableau bien dessiné de la vision d'une jeune Chilienne qui s'est super intégrée ainsi que sa famille. Ce premier roman est cité un peu partout cet hiver et ça vaut la peine de s'y arrêter. C'est très intéressant de voir comment les immigrants nous perçoivent et pour la plupart sont heureux de vivre avec nous. Hmm. Aussi captivant et instructif que « Le rue » de Kim Thuy. Je lui souhaite un beau parcours littéraire. En tout cas, c'est bien parti. Ça donne le goût de, oui. de le lire, oui. en tout Puis, cas. Puis, tu sais, il n'y a pas de drame. C'est léger, c'est en même temps profond. C'est un beau mélange, vraiment, là. Puis de ce que je comprends, on part de son arrivée vraiment au Québec, oui. fait qu'on la rencontre à peu près à 7 ans dans oui. le livre. Oui, l'intégration à l'école, surtout. Okay. Et,
et dans son milieu-là. Puis est-ce qu'on se rend jusqu'à son âge actuel, qui est à peu près dans la quarantaine? Non, pas vraiment, non. OK. Non. Plus sa jeunesse. C'est plutôt la jeunesse et bon, l'apprentissage là, de la vie. Parce qu'on okay. rentre pas encore... Peut-être ça va suivre dans un autre livre. Un prochain roman. La vie adulte. Parce que madame est quand même professeure puis sociologue. Oui, c'est ça. On dirait qu'elle a une carrière très établie. Je pense qu'on va en entendre parler. D'ailleurs, ça m'a intriguée, le nom. Parce que je trouve que ça fait très... francophone Dawson, ou même c'est anglophone. Pas très chilien. Dawson, tu sais, que, quand j'ai vu Chili, c'est dit, c'est ça. C'est pourquoi là, elle n'explique pas tellement là, l'origine okay. de son nom. Ça nous donne le goût d'en apprendre plus sur elle. En tout cas, ça vaut, c'est une belle découverte. Oui, puis moi, comme vous, j'ai vu passer le nom du roman, le nom de l'auteur un peu partout dans les médias ces temps-ci, puis ça me donne encore plus le goût de le lire. On va pouvoir passer à l'autre livre dont vous allez nous parler aujourd'hui, qui est « Tout écartillé oui. », la biographie de Marcel Sabourin. Marcel Sabourin, quel personnage! On sait tous que c'est un grand personnage, que c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup les arts Québec, en la général, culture. La culture en général, mais je suis ébahie de savoir à quel point. C'est pratiquement impossible de décrire ce livre-là tellement... Il y a de découvertes. On découvre un monsieur qu'on pense connaître, mais qu'on connaît pas beaucoup. C'est ça, même si on voit son nom, on sait un peu ce qu'il a fait, on en apprend beaucoup plus dans sa biographie. D'ailleurs, la biographie a été écrite par monsieur Robert Blondin, qui est un communicateur depuis plus de 30 ans. Avec ses fonctions de réalisateur et d'animateur à Radio-Canada, il cumule une carrière d'écriture qui oscille entre le cinéma, le roman, le théâtre et l'essai. Il est un conférencier et un conseiller en communication de réputation internationale. OK, donc c'est d'ailleurs, pas le premier livre de l'auteur. En même temps, moi personnellement, j'ai découvert, je connaissais le nom de M. Blondin parce que je l'ai entendu à la radio souvent, mais je savais pas qu'il y avait une telle renommée. OK, fait que, ben oui. Oui, et un tel tableau élargi de toutes ses fonctions aussi. Bien oui, c'est vrai. Je vais vous citer quelques notes que j'ai prises parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est difficile de le résumer. Je comprends. Fait que, les confidences du célèbre professeur Mandibule éclairent l'histoire artistique du Québec par des souvenirs comme autant de coups de poing tendres. L'homme qui a incarné ce professeur à plumes incarne aussi tout un pan de l'histoire culturelle québécoise. Marcel Sabourin revient sur 65 ans de carrière, depuis la roulotte de Paul Buissonneau, qu'on a tous connu et entendu parler, en passant par des rôles marquants, en particulier au cinéma et de grands moments de complicité artistique. Le propos de cet homme, bien enraciné dans sa culture québécoise, néanmoins nourri par Paris, New York, Moscou et Londres, se développe comme un arbre. J'aime beaucoup cette citation-là que l'auteur fait. C'est tellement bien imagé. Je vais vous la citer. On ne sait pas toujours distinguer si c'est l'énergie des branches, des racines ou des feuilles, des fleurs ou des oiseaux qui s'y nichent. Ce portrait est ébouriffé, souvent écartillé, pour rester fidèle à cet homme attachant dans ses détours sabrounesques. C'est beau, ça donne une bonne idée aussi avec les endroits où Marcel D'ailleurs, Sabourin... D'ailleurs, quand on parle de tout les quartiers, tout de suite nous vient l'idée de la chanson de Charlebois, dont il est l'auteur. Pour la plupart des gens, je pense qu'ils le savent, mais peut-être qu'il y en a qui l'ignorent encore. Mais tout les quartiers dans Paris ont sept péchés. Pour ma part, impossible de résumer une telle carrière. Acteur, scénariste, professeur, la roulotte avec Buissonneau, les croquignoles avec Fernand Doré à la télévision de Radio-Canada pour les tout-petits, paillasson, mandibule, dame plume, ça, les gobelets sont nés sous sa plume. Ça fait que en citant ces noms-là, tout le monde a une image. Oui, c'est ça. Il y en a certains au moins qui évoquent quelque chose pour les gens de tous les âges, je pense. Filmographie avec les immenses Jean Beaudin, Fernand Dansereau, Jean-Claude Labrec, Pierre Patry, Denis Arcand,
Et combien d'autres? Il a joué avec tout le monde. Ben oui. Théâtre et professeur. La liste est tellement longue de tous ces rôles qu'il a créés et joués. Professeur de célébrités comme Robert Charlebois, Louise Forestier, Yves Degagné, il reste. Partenaire avec Jean-Pierre Ronfard et Robert Gravel à la fondation de la LNI. Oui, ça, c'est intéressant à savoir aussi. Oui, on en jasait tout là, à l'heure. Parce qu'on sait comment la LNI a produit d'artistes. Ben oui. Combien de jeunes qu'on entend aujourd'hui qui sont nés grâce à la LNI. J'ai commencé à l'école parce qu'on faisait de la LNI. Ben oui. Puis après ça, combien de jeunes acteurs sont illustrés à la LNI avant d'être connus dans d'autres choses. Puis il y a un peu de M. Sabourin là-dedans. Oui, aussi. Et ça a été une école extraordinaire. Je pense que c'est le moyen que ces gens-là, je pense à Gravel et Sabourin et Ronfort, ça a été une école extraordinaire pour bien du monde qui ne pensait jamais aller en théâtre ou en télévision. Oui. L'auteur nous présente également la famille de M. Sabourin. Sa femme, ses fils, ses brus, ses petits-enfants. Sabourin dit de lui-même qu'il n'est pas un homme de famille. Les enfants, je ne sais pas comment réagir avec ça. Je n'en avais aucun autour de moi dans mon enfance. Mes frères étaient mes soldats de plomb, mes cartes de Halloween. Je ne sais pas c'est quoi les cartes de Halloween. Ça doit être une autre époque. Mais reste qu'un enfant unique a développé, il était un fils unique, tout un imaginaire avec ce qu'il y avait sous la main. Madame Cormier, je vous remercie pour ces belles découvertes. Moi qui n'ai pas fan de biographie, ça me donne vraiment le goût de lire sur Marcel Sabourin puis de découvrir un peu les dessous de sa grande carrière. Ouais, ça vaut la peine. Donc nous, on se dit à la semaine prochaine avec Mathieu Dubé des Éphémères. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.